Alors, dernier jour à la folie. Dernier jour à la folie. Et je peux enfin recevoir du courrier puisque la boîte aux lettres a été rafistolée. Et elle tient avec. Des bouteilles de gauze qui servent de pied. Et le chat qui passe son dernier jour à la folie si je le ramène. Hein ? Bah ouais, il sera pas tout seul comme ça. Le... Tu veux que je te le laisse ? Non. Ah oui, il est sociable hein, celui-là, de chat. C'est pour ça que d'ailleurs que je le ramène, c'est qu'il aime les câlins quoi. Ah merde. Ah oui. Mais bon, c'est bon. C'est Damien. Donc, je sais même pas qui c'est le gars là. Hein? Je vois même pas qui c'est le gars là, Damien. Le nouveau là? Peut-être, oui. Le nouveau, il y a 5 ans qui sont là. Quand il y a mère décédée, c'est vrai que là. 5 ans, bah, ça, c'est des nouveaux quoi. Oui, si tu veux. Quand on repart en dessous, là, c'est vrai, il y a des nouveaux aussi. Oui. Péré. Oui, c'est un nouveau. Péré, c'est aussi. Bon, bah voilà, tu vas pouvoir garder la folie à nouveau pendant. Je vais regarder spécialement. Je pense que là, il y a du monde. J'aimerais y bouger, c'est tout. Je vais le garder. Non. Je vais le garder du tout. Je pense que là, je me demande qu'est-ce qu'il coûte là, c'est tout. Après. Bah, tu la gardes malgré toi en étant là. Hein. Je pense que t'habiterais pas là, personne n'habiterait là, il y aurait encore plus de visites. Bah oui. Mais voilà, je leur demande ce qu'ils foutent là après. Je vais regarder la pluie. Pense là, je vois là. La soir, mais la journée, il peut pas dire, même la nuit. Ah d'ailleurs, je me demande ce qu'ils sont allés faire, hein. Il manque la brouette, je me demande ce qu'ils sont allés faire de la brouette. Ah, tu piques des choses qui se revendent, mais une brouette, il devait en avoir besoin, c'est tout simple. Elle est sur ailleurs, elle est tout maintenant. Il y a un bordel, mais c'est fini. Il y a un bordel, mais on a fait tout ça. Et il vit encore dedans le mec? Non, il s'est suicidé. Ah merde! La maison, t'es pas dramatisé! Je crois que c'est tout la maison! Tout est en vente, on a été débrouillé, t'as tout rosé la maison, t'as pas fait comme toi, t'as tout rosé la maison! Ils ont cassé pour prendre le cuivre et tout, j'imagine? Mais tout le cuivre, tout pris! Le mec s'est suicidé, bon, ça s'est resté un moment comme ça, la maison est en revente, et les enfants l'ont pris pour. Ses enfants l'ont pris pour du mélanger quoi! À la maison, quoi. S'il y avait une cuisinière, je pense qu'il y avait dans la maison, quoi. Pour déménager comme chez toi, quoi. Pour déménager. D'arriver. Chaos, tout vandalisé. Chaos, cuivre, tout. Baignoire, tout vandalisé. Tout vandalisé. Il n'y a plus rien. Même pas, ils peuvent habiter dedans comme ça, quoi. Ah ben non, il y a un intervalle, mais. La bonne femme n'est pas là, ça s'est brilleux. Et les enfants sont voyagés, bah où, quoi. Ils veulent la revendre. Mais là, si tu peux l'acheter, on n'a pas été dans la maison, nous, on n'a pas rentré. Faut tout refaire, quoi. On n'a pas rentré. Mais vous pouvez rentrer. Ah, non, on n'a pas rentré, parce que c'est bien, on parle fouineux dans les maisons, c'est pas notre genre. Tout a été vandalisé. Ils ont volé le crime, le conseil de Saint-Germain. Tout a été vandalisé. Tout a été vandalisé. Et c'est alors non. Tout a été vandalisé, ils ont tout pris. Et les flics ont rien pu faire parce qu'ils ont fait ça dans la nuit. Ah, foutre, ils l'ont appris, ils l'ont pendu. Ils sont même pas venus essayer de voir qui c'était ou quoi. Après la police, ils l'ont pendu. Et du coup, la maison est avant, mais ça te dit, là, ça t'a ouvert, ça peut être vandalisé. Parce que eux, ça t'a ouvert et ça t'a vandalisé. Ça dépend, c'est qui. Après, il peut y faire, on peut pas rien faire, c'est vandalisé. Ouais, j'ai eu de la chance alors. Hein? J'ai eu de la chance alors. La barre là, oui. Il y a Elle dit c'est partout, il fait ailleurs, ou il reprend ça sur internet. Je sais pas moi, il y a du mal à tout faire, tu vois.
Ouais, enfin les vieux frigos ça se revend pas bien cher, hein. Il faut peut-être défaire ailleurs on qu'on fait ça. Ailleurs, vous êtes, je sais pas. Mais nous, on consomme des morceaux, des matériaux de boulet, tout ça. Et puis, des coupe-branches, des taillettes, tout ça. Faut tout ramasser. Ça arrive souvent que ça disparaisse, les taillouets et tout ça. Bah, les mecs, ils rendent, ils font ailleurs. Oui, non, si ça marche, c'est mieux de revendre ça à quelqu'un qui va s'en servir quand même. Ça... Ah oui, sur Internet, ou par ailleurs. C'est bon, mais le mec, écoutez-vous. Sur le bon coin. Je vois, je sais, sur le bon coin. Où... Après, si tu cherches une maison pas chère, tu prends ce genre de maison vandalisée. Ils doivent les vendre une bouchée de pain, là, tu les rafistoles et puis. 130 000 euros. 130 000 euros, ah ouais, quand même. Oui, quand même, oui. 130 000 euros. Ah oui, mais elle va peut-être pas être vendue de suite mais alors. Je pense que non. On a vu dernièrement qu'il a dit. Merde. Le chef de. L'établissement, il a appris dernièrement que 130 000 euros qu'il allait la vendre. Ça fait cher, hein, parce que. La maison, oui, parce que. Dans le coin, tu trouves des trucs pour. Un vieux truc comme ça, là, ça coûtait 20 000, je crois, une connerie comme ça. Mais, hein. Mais, et là, les boutons sont à refaire. La couverture est à refaire. Tout l'intérieur est à refaire, parce que tout est vandalisé. Les toilettes sont à refaire. Tout est à refaire. Salle de bain, tout. Bah, tout est à refaire. La couverture est morte. Et puis surtout, c'est à Lornan, quoi, c'est pas à Paris. Tout l'intérieur est à refaire, alors. Surtout que c'est à Lornan, ça coûte que dalle. Le dernier, moi, tu fous, mais 130 000 euros, il n'y a pas la même chose. Bah écoute, il peut. Ça coûte rien pour lui de rêver et d'espérer. Hein. C'est le notaire, c'est pas eux qui ont demandé. Enfin, ils ont demandé, mais le notaire a dit oui. 130 000 euros. C'est un problème. J'allais pas dîner par Paris. Même à Rennes ou à Saint-Brieuc, d'accord. Mais à la fois, alors non, c'est pas Paris. C'est ça. C'est bien qu'il y avait 22 maisons, il y en a 18. Où ça alors non. Mais 22 maisons par le même proprio. Non, tout dans le bourg. Il y a 18 demandes. Donc il n'y a plus que 4 maisons à vendre. Ouais. Pour l'instant, il y a peut-être d'autres.